marque Bosch, la pompe à injection est de marque Bosch. Ouais. Ce sont les seuls qui tiennent le coup, à coup sûr. Toutes les autres, elles cassent un jour ou l'autre. D'accord. Donc, on peut le faire assez bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le régler pour qu'il tourne à l'huile. D'accord. Et quand il sera réglé pour tourner à l'huile, il ne sera pas obligé de tourner à l'huile. Il peut tourner avec tous les carburants qui conviennent au diesel. D'accord. C'est-à-dire, comment on fait ça? Est-ce que ça a un prix On verra ça, oui. Oui, ça a un prix, mais c'est pas très cher. Et surtout que ce sera fait définitivement. Et jamais, avec les réglages que je fais, que ce soit pour l'huile ou pas, il n'y a eu un refus au contrôle technique à la pollution. Jamais. D'accord. Ouais. Voilà. Et puis ça tient. C'est fait pour durer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est-à-dire comment on va faire, ce qui va se passer? Ben, d'abord, je dégage pour avoir accès à tout ce qui est nécessaire de déposer. Puis, je passe un coup de white spirit, par exemple, sur le moteur pour bien le nettoyer et bien être propre. Ensuite, je dépose les injecteurs. Quand les injecteurs sont déposés, on peut vérifier l'état des bougies de préchauffage en mettant le contact, on les voit rougir. Et ensuite, je contrôle les compressions du moteur. Puis je démonte, je vérifie les injecteurs dans l'état où ils sont, je les démonte, je les rôde et je les fais monter par ajout de petites rondelles calibrées. Au niveau du ressort intérieur, je fais monter les injecteurs à 200 bars de pression. Et puis on remonte tout ça. On met ça au point, ça marche. Et d'accord. Il faut aussi avancer un tout petit peu le moment de l'injection de la pompe. Parce que quand on monte les injecteurs à 200 bars, la pompe prend un petit peu de retard à l'injection. Donc il faut équilibrer tout ça. Et ce sera tout en équilibre, tout en harmonie, et ça doit marcher correctement. Ok, bon, je t'avoue, pour moi c'est du chinois, mais c'est aussi pour ça que je suis là, c'est pour apprendre. Voilà, mais c'est très simple en fait. D'accord, ouais, on comprend très vite. Merci.